What, tout le monde c'est Risto, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo My Life un peu particulière où je vais vous parler, pas forcément, enfin si, ça, je vous parle un peu de ma vie, mais voilà, en gros je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer parce que d'ici 2 semaines et quelques, eh bien je vais avoir, je vais reprendre les études, enfin je vais reprendre, je vais faire des études, on va dire des vraies études parce que là j'ai eu mon bac et tout et voilà le bac c'est pas forcément non plus la chose la plus difficile au monde et que voilà, grosso modo l'année prochaine je serai en études informatiques supérieures et tenez regardez-moi, est-ce que vous connaissez cette marque, genre moi je kiffe cette marque, si vous voulez m'offrir quelque chose, offrez-moi quelque chose avec cette marque, voilà comme ça je fais ma petite pub. Enfin bref non, et genre en fait bon je suis désolé je suis en voilà je suis toujours en vacances c'est comme ça et tu sais des choses à vous dire quelque part même si c'est pas forcément enfin je sais pas pour certains il y a des gens qui me suivent vraiment et qui aiment vraiment mes vidéos et en gros c'est vraiment pour vous dire bah que voilà l'année prochaine je suis en études supérieures et que ça fait quand même 5 ans que je suis sur YouTube et que pendant 5 ans moi j'ai découvert un tas de choses. Je suis pas quelqu'un honnêtement je te le dis là même en sur YouTube ou je sais pas où tu veux, je suis pas du tout quelqu'un en prise de tête, d'accord? Donc si toi t'as envie de me parler personnellement ou même de me voir à Lyon, moi j'ai dit il y a pas de souci, tu me contactes sur ma page Facebook ou tu me contactes quelque part, enfin en tout cas faut que j'arrive à le voir parce que j'ai des fois pas mal de messages, genre tu fais en sorte que je puisse le voir, je te réponds et on se voit, il y a pas de souci, pour qu'on puisse se parler, si tu veux je t'aide carrément pour faire des vidéos ou des choses comme ça, il y a vraiment pas de souci. Je te petite parenthèse, j'aime vraiment aider les gens et ça je dis voilà. C'est pas un souci. Ouais, donc moi quelque part, ça fait 4-5 ans que je fais des vidéos. C'est pas que je suis fed up ou que j'en ai marre de faire des vidéos. Non, franchement, j'adore faire des vidéos. Mais que au bout de 4-5 ans, tu commences à te trouver un peu, à savoir qu'est-ce que toi t'as vraiment envie de faire sur YouTube. Ou si t'as envie carrément d'arrêter, bah t'arrêtes. Il y en a plein qui arrêtent. Moi j'ai envie de continuer et faire un peu mes vidéos à ma sauce. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, à une époque, je faisais beaucoup de vidéos tuto informatique ou des tutos. À un moment après, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Après, je suis passé faire des choses comme ça. Après, même dans le sport, des trucs comme ça. J'ai souvent, tu vois, changé sur ma chaîne. Et j'ai vraiment voulu aussi vous montrer plein de choses différentes. Et que moi, même moi dans la vraie vie, eh ben, j'aime bien faire beaucoup de choses. J'aime pas avoir un truc monotone sur ma chaîne ou même dans ma propre vie. Parce que ce que les gens font sur leur chaîne, c'est un peu limite, si tu veux, on reflète un peu notre propre vie. Enfin, quand on se parle et tout, donc ça c'est important et moi je peux pas rester dans une chaîne monotone, donc pour moi il peut pas avoir que du jeu vidéo, il peut pas avoir que ça d'ailleurs, même si j'ai un peu arrêté. Voilà, donc en plus même, waouh, avant je jouais aux jeux vidéo, maintenant j'ai, voilà, c'est cette mode là m'est passée. Et que maintenant, voilà, c'est mon kiff à moi, c'est vraiment de vous présenter des vidéos simples, rapides, efficaces, informatives sur genre des technologies ou des leaks, des rumeurs. Voilà, après, bon, il y a des trucs où je vous dis c'est faux parce que forcément c'est des rumeurs et ça sort de sites et que après finalement c'est pas du tout ça. Mais normalement, la plupart du temps, lorsque je vous dis des trucs ou voilà, normalement c'est vrai et puis des fois ça arrive ou tu te plantes et voilà, c'est ça, tu sais, c'est YouTube. Voilà, pas de prise de tête et c'est ce que je voulais vous dire. C'est à dire que moi, je suis pas de prise de tête sur ma chaîne YouTube avec les gens, pas la grosse tête ou je sais pas, voilà, enfin bref. Normal, tranquille, ok. Si tu veux me suivre, tu me suis sur YouTube, y a pas de souci. Moi, je suis super content. Si tu veux qu'on puisse se voir, y a pas de souci aussi. On se voit. Et que voilà, maintenant, je sais très bien que l'année prochaine, j'aurai vraiment beaucoup de travail. Et que forcément, il faut privilégier, il faut mettre, on va dire, des priorités sur certaines choses. Certainement les études. Enfin, moi. Oui, c'est les études, mais c'est plus pour mon avenir en fait que je mets les priorités parce que YouTube, même si je gagne beaucoup d'argent et tout, après à voir si c'est, tu peux en faire ta vie, hein, si tu gagnes 5-10 000 euros par mois, franchement, tu te poses la question, est-ce que je vais faire YouTube ma vie? Bah écoute, tu te fais plaisir, tu fais tes vidéos, tu gagnes 5-10 000 euros par mois, bon voilà, c'est négociable. Mais quelque part, ouais, moi je suis pas là aussi pour non plus faire ça. On va dire des ambitions, j'aimerais bien faire des choses aussi dans ma vie que de rester chez moi à faire des vidéos. Après c'est un choix, tu vois, moi je respecte les gens qui font ça, moi je suis totalement content pour les gens qui font ça. Mais que voilà, juste pour vous dire qu'il y aura peut-être un peu moins de vidéos, je sais pas du tout comment ça va se passer. On verra ça l'année pro, enfin dans 2 semaines plutôt, pour cette nouvelle année. Et voilà, en fait c'était vraiment pour vous parler, moi ça fait du bien. En plus ces derniers temps j'ai eu, comment vous dire, des soucis familiaux on dit, ou ouais familiaux. Des problèmes dans la famille, des choses patati patata, tu sais quoi, ça c'est la vie, c'est normal. Mais voilà, après tout faut se relever, faut garder les épaules hautes, je crois on dit, non? Les épaules hautes, faut montrer les biceps, les muscles.
et tout. Enfin bref. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est assez rapide. Et puis surtout aussi, quelque chose de très important, c'est de remercier. Moi, je remercie honnêtement et fond du cœur, genre toutes les personnes qui m'ont suivi ou qui me suivent toujours. Et les gens qui me connaissent depuis très longtemps, même les gens qui me croisent dans la rue ou centre commercial à l'autre jour à Lapardieu et qui disent, t'es pas Christo et tout. Et ouais, moi, franchement, ça me fait super plaisir. C'est un kiff YouTube. Et ça fait 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés, même s'il n'y a pas les vues qui suivent, c'est pas grave. C'est pour moi, j'ai atteint mon objectif sur YouTube et c'était juste pour vous prévenir aussi que moi, voilà, il y a des séries que j'ai pas forcément non plus pu assumer. J'ai fait plein de choses sur ma chaîne et il y en a qui aimeraient voir par exemple des vidéos sur la série informatique, des vidéos sur le sport, des vidéos sur le bon coin, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est difficile d'assumer ça. En fait, il y a une chose qu'il y en a qui se rendent pas compte, c'est genre que ça prend du temps et vraiment. Vraiment du temps. Le Bon Coin, par exemple, il me faut quoi? Il me faut 3-4 jours pour faire une vidéo Le Bon Coin sur le sport. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, j'ai pas forcément ce temps-là maintenant à consacrer pour YouTube, alors que je l'avais auparavant. C'est pour ça que je vous fournissais plein de vidéos, de choses comme ça. Et que maintenant, j'ai plus faire des sortes, je sais pas comment on peut appeler ça, des quick vidéos. En gros, une petite vidéo de 3-4 minutes, je parle d'un petit sujet avec la peps, le peps et tout. J'ai pas envie d'être monotone, tu vois. Je peux pas faire genre une vidéo, il y a des youtubeurs. Là 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 là, moi c'est juste carrément. Et là, je te dis cash, c'est pas possible. It is not possible with me. En tout cas, avec moi, c'est pas possible. Il faut, voilà, il faut montrer que t'as envie de faire ta vidéo, putain. Parce que si tu montres pas que t'as pas envie, bah au pire, fais pas ta vidéo et va travailler ailleurs. Ouais, ce YouTube, on peut parler aussi de ça. YouTube, c'est quelque part aussi un travail. Non, c'est vraiment un travail. Non, franchement, non. J'en ai parlé avec beaucoup de gens et c'est vraiment un travail. Travail, salaire, moi je m'en fous, tu vois, on parle du salaire, mais genre, ça prend du temps. Et c'est ce que je vous ai dit. Il faut préparer la vidéo, il faut faire la vidéo, il faut produire la vidéo, après éventuellement l'envoyer sur YouTube s'il n'y a pas de souci, et puis après faire tout ça. Et pendant ce temps-là, ça fait déjà 5, on va dire 4-5 grosses étapes. Et c'est assez long, c'est assez long. Ça peut prendre plusieurs heures. Et puis surtout quand toi, t'as d'autres choses à faire, t'as du travail, t'as peut-être, voilà, moi j'essaie de faire des efforts, je m'occupe de certaines personnes dans ma famille qui ont des petits soucis. Et voilà, tu vois, le temps, bah, c'est difficile de trouver 3-4 heures dans une journée. Même 2 heures, tu vois, des fois, t'as un peu de mal parce que t'es là, t'es là, t'es là, tu fais ça. Et puis l'année prochaine, enfin, dans 2 semaines, en gros, je vais prendre des études. C'est juste pour vous dire ça. Moi, ce que je pense, et comme ça, vous me connaissez mieux. Et que maintenant, j'ai vraiment pris une autre façon de faire mes vidéos, c'est-à-dire, je suis moi, tu sais quoi. Même si j'ai été un peu bloqué, au début j'étais carrément bloqué et vraiment coincé, mais maintenant je suis moins coincé, enfin carrément moins, mais que il y a quelques mois j'étais toujours un peu coincé, et maintenant, tu vois, je suis carrément pas du tout coincé. Donc ça m'a pris 4 ans pour me décoincer les fesses, et voilà, je suis content. Au bout de 4 ans, je me suis débloqué le cul, quoi. Non, bref, je rigole, non, ça va loin. Enfin bref, voilà. Il y aura des vidéos aussi My Life. Par contre, My Life, ça j'adore. C'est ce genre de vidéo où tu parles de toi, tu racontes ta vie. Il y a des trucs que je vais vous raconter, je crois. Faut que je vous le raconte. Faut que je l'écrive sur mon téléphone, comme ça je me dis, tiens, il s'est passé ça, faut que je le raconte à mes abonnés, tu vois. Faut que je le raconte comme ça. Et moi, ça me fait super plaisir parce que même, j'ai terminé sur ça. Des fois, je vais sur YouTube, et tu sais, je vais sur YouTube comme ça et je mets Christo du 69 et je vois mes vidéos il y a 3-4 ans. Et c'est là où tu te vois et tu fais, putain, merde. J'ai vachement évolué, enfin dans le positif j'espère. Regardez une vidéo de moi, non, il y a 3-4 ans, ma première vidéo, c'était un truc de fou, quoi, à quel point j'avais un bâton dans les fesses. Et maintenant, franchement, non, je suis super bien. Donc voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, vous faites comme vous voulez, c'est un peu vidéo my life, où je t'explique un peu ma vie, enfin bref. Voilà, c'est quoi? Fini ma vidéo, c'est fini. Et je regarde là depuis tout à l'heure, parce que y a la playa, il y a la piscine, enfin il y a plein de trucs. Bon, je suis bien. Et voilà, je vous aime très fort. Et j'ai un Snap très intéressant, très important. J'ai un Facebook aussi. Et si je vous réponds pas, c'est que j'ai beaucoup de messages. Mais ce que tu fais pour que je te réponde à coup sûr, et ça je le dis à chaque fois et je réponds à tout le monde, c'est que tu le mets sur mon mur Facebook, Christopher Morfin. En plus, je vous donne mon propre Facebook. Voilà, c'est pas comme si non plus je. Voilà. Je te donne mon Facebook avec mon blaze. Et t'as juste à aller dans mon statut et tout, et de mettre, voilà. Et puis même si t'as des problèmes dans ta vie et tout, raconte à Christo, mon gars. Moi, j'adore, et puis je le garde, ça reste entre nous. Je le garde entre nous. Tout ça. Peace out, les gens. Voilà. Enfin, bref, ouais, j'essaie d'être sérieux aussi dans mes vidéos, c'est pas facile. Mais je suis décoincé des fesses.